Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis très occupé en ce moment, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas très présent dans des entrevues à droite et à gauche. Cependant, j'aimerais vous partager quelque chose d'insolite, puisque ma vie est remplie de choses insolites. Eh bien, il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose de très étrange. Si vous vous souvenez, dans mes documentaires et mes entrevues, j'en parle souvent en rapport avec mon interaction avec l'électricité. Il se trouve qu'à chaque fois que n'importe qui sur la planète expérimente une expérience bizarre, étrange, extrasensorielle, malheureusement, soit il n'y a pas de témoin, soit l'appareil photo ou n'enregistre pas, ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis chanceux. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'étrange, j'ai toujours quelqu'un à côté de moi ou un appareil qui enregistre. Et ce jour-là, j'étais avec mon ami Kevin et nous étions en visioconférence tous les deux. Juste avant cette visioconférence, nous parlions au téléphone, normalement. Et comment pourrais-je vous dire? Quelque chose m'a contrarié. Et lorsque je suis contrarié, il y a quelque chose qui se passe avec l'énergie qui est autour de moi. Et d'un seul coup, lorsque ma contrariété est arrivée, j'ai décidé de raccrocher le téléphone et de dire à Kevin, appelle-moi sur Skype, il faut que tu vois ça. Et Kevin a tout enregistré. Je ne savais pas comment montrer cette nouvelle preuve de mon interaction avec l'énergie, l'électricité. Et puis récemment, il y a différentes personnes qui, sur Internet, font des posts sur différentes choses en critiquant les uns les autres, sans aucune preuve, bien évidemment, et en ne voyant même pas mes documentaires, en ne prenant même pas le temps d'écouter mon histoire, mais simplement en critiquant, en jugeant, sans savoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé ici. Et je suis très heureux de vous le partager. Voici donc la vidéo. Quelques secondes auparavant, nous étions en train de discuter, Kevin et moi, d'un post qui avait été fait en France et qui me concernait indirectement. Et ce post m'a vraiment affecté. Et lorsque je suis affecté et qu'il y a une source lumineuse à côté de moi, eh bien, elle faiblit. Il y a une interaction. J'ai donc appelé Kevin sur Skype et je lui ai dit « Il faut que tu vois ça, c'est incroyable. » Kevin me dit « Recommence. » Et je lui dis « D'accord, je vais tendre la main comme ça et tu vas voir ce qui va se passer. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au moment où je tends la main. » Et d'un seul coup, voici ce qui s'est passé. Je rappelle que je n'ai aucun problème d'électricité chez moi. Donc, ça n'est pas possible qu'il y ait un problème électrique sur une seule lampe, surtout celle que je pointe. Il y avait cette interaction d'énergie avec ma main. Kevin me dit, tu devrais te lever pour aller vers l'interrupteur pour bien montrer aux gens que c'est pas quelqu'un qui s'amuse avec le bouton. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a personne qui joue avec l'interrupteur de la lumière. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt.